Malgré une carrière hors norme, 50 disques d'or, 15 albums vendus à des millions d'exemplaires, de nombreuses collaborations à succès. Jean-Jacques Goldman a toujours conservé un goût pour la discrétion. Si est-il d'ailleurs au grand dam des fans qu'il s'est, quasi, retiré de la vie médiatique il y a de cela plusieurs années. Désormais retiré à Londres, le chanteur a fait une croix sur sa carrière pour s'occuper de sa famille, et notamment de ses trois plus jeunes enfants, encore mineurs. Car oui, Jean-Jacques Goldman est à la tête d'un sacré clan. Le chanteur est père de 6 enfants, nés de 2 unions différentes. En 1975, il épouse en première noce Catherine Morley, avec qui il a 3 enfants, Caroline, née en 1975, devenue psychologue comme sa mère, Michael, née en 1979, cofondateur et président du label My Major Company et Nina, née en 1985, pédiatre. Le couple divorce en 1997 et Jean-Jacques Goldman se remarie 4 ans plus tard avec Nathalie Touin-Lagier, à l'époque étudiante et fan du chanteur, et aujourd'hui professeur de mathématiques. Les époux ont 3 filles ensemble, Maya, née en 2004, Kimi, née en 2005 et Rose, née en 2007. Jean-Jacques Goldman mène une vie tranquille à Londres City avec son épouse et ses 3 benjamines que l'artiste réside désormais dans une banlieue résidentielle de l'ouest de Londres, loin de la scène médiatique. Là-bas, Jean-Jacques Goldman mène une vie à son image, sans chichi. Quand il ne fait pas ses courses au supermarché ou son footing, le chanteur suit de près la scolarité de ses filles, informé par Imatch en 2019. Après 40 ans de carrière, voilà une pause bien méritée.